Bonjour à tous et toutes, et bienvenue sur Terre de Feu, à bord du Vauclin, avec comme pilote l'ami Polon. Comment? Si j'ai rien oublié, j'ai dit bonjour. De quoi parlez-vous? Ah, historique, vous y tenez vraiment? Ok. Ne tapez pas dessus, pas sur la tête. On met notre partie sur pause, et on fait un cours historique. Allez hop, retour au port. Ah ok, j'ai oublié l'histoire, ne m'en veuillez pas. On va faire une courte page d'histoire. Pas sur la tête, me tapez pas sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Destroyer Vauclin. La classe Vauclin a été développée au début des années 30. Bien sûr, j'appelle ainsi classe Vauclin, c'est parce que le Vauclin était le tête de classe. Ils sont rentrés en service entre 33 et 34. Ils étaient au nombre de 6 navires jumeaux. Ils vont participer à un certain nombre d'opérations, mais techniquement, si vous voulez, déjà, ce qu'on peut dire, déjà, on va donner leur nom. Il y avait le Vauclin, le Quercin, le Cassard, le Tartu, le Maillet Brisé et le Chevalier Paul. C'était des navires qui tenaient relativement bien la mer. En termes de longueur totale, il fallait compter environ 129 mètres, 30 pour être précis. Un tirant d'eau de 4,97 m, ce qui n'est pas trop important. Une largeur de 11,80 m. Il y avait une dizaine de comment dirais-je, la coque était subdivisée en une dizaine de cloisons transversales, et ce qui donnait 13 compartiments étanches. L'équipage, enfin, était composé de 10 officiers et de 201 hommes en temps de paix, et de 12 officiers et de 221 hommes en temps de guerre. Il y avait deux turbines à vapeur, des râteaux brigués ou des parsons. Chacun entraînant un arbre à hélice. C'était des navires à chaudière, ils appartenaient à ce que, comment dirais-je, toute une vague de destroyers à peu près similaires. Il y en a eu quatre qui avaient trois cheminées. Tous les autres, il y en a eu une douzaine au total, seront ce qu'on a appelé les quatre tuyaux. Tout simplement, il y avait quatre chaudières, quatre cheminées qui sortaient. On termine avec l'armement. Alors l'armement, c'était 5 canons de 138, 4 de canons entières de 37 mm, et 2 canons doubles, enfin 2 mitrailleuses doubles entières de 13 mm. Pour finir, il y avait 2 triples lanceurs de torpilles de 550 mm. Voilà pour l'aspect technique. Alors, très rapidement, comment dirais-je, il s'inspirait vaguement de la classe Aigle, mais c'est une grosse amélioration de la classe Aigle. Nous finirons en gros par leur état de service, sachant qu'ils ont été affectés d'abord au 2e escadron, qui était basé à Brest, au moins 3 d'entre eux, le Quercin, le Vauclin, le Maillet Brisé, tandis que les 3 autres étaient au 1er escadron à Toulon. Les 6 navires vont être regroupés en un 1er escadron en octobre 34, et puis ils seront entre autres 2 d'entre eux, je n'ai pas
je ne sais pas pour les deux autres, les quatre autres, mais je sais que le Kersin, le Kassar ont été chargés d'évacuer les Français en Espagne au moment du début de la guerre civile espagnole, en juillet 36. Et plus tard, ils vont patrouiller dans les zones de surveillance attribuées à la France. Après septembre, la plupart des contre-torpilleurs et des destroyers se sont vus confier des tâches de rotation mensuelle à surveiller les côtes espagnoles pour appuyer une politique de non-intervention. Le 27 août 39, en prévision de la guerre avec les nazis, la marine française avait prévu de se réorganiser et de réorganiser sa flotte en haute mer en trois escadrons. Et lorsque la France va déclarer la guerre le 3 septembre, cette réorganisation était déjà ordonnée. Le 3e escadron léger comprenait deux divisions, la 5e et la 9e, deux divisions de contre-torpilleurs avec tous les navires de classe Vauclin qui étaient à l'intérieur. Entre 1940, Chevalier Paul, Tartu, Maillet-Brézé sont chargés d'escorter les convois entre l'Écosse et la Norvège. À partir de la mi-avril, ils vont escorter les troupes françaises à Namsos et à Arctat. Le Maillet-Brézé sera perdu le 30 avril avec un accident. Un accident de torpille, je sais pas beaucoup plus, à Greenock, dans le port d'Écosse. Deux navires restants vont rejoindre leur sister ship à Toulon à la fin du mois de mai. Quelques jours après la déclaration de guerre des Italiens, le Tartu, le Cassar, le Chevalier font partie des navires qui vont recevoir l'ordre de bombarder les côtes pas loin de Vado Ligure, donc non loin de Gênes. Assez peu de dégâts dans l'Yon seront occasionnés. Finissons par le côté sombre, c'est-à-dire que, bien, évidemment, il y a l'armistice, hein, la France s'est effondrée, l'armistice. Le Chevalier Paul, entre autres, sera mis. Ils sont trois qui vont être mis au service de la France de Pétain, le Chevalier Paul recevant l'ordre d'amener des munitions. Au Liban, qui était alors envahi par l'Angleterre, le Chevalier Paul sera coulé, et c'est le Vauclin qui recevra l'ordre de faire et qui parviendra à porter ses munitions à la place. Quand les Alliés vont envahir l'Afrique du Nord, les Allemands vont tenter de capturer les navires français à Toulon, le 27 novembre, mais vous le savez déjà, la flotte française va se s'aborder, et bon, ben voilà une photo du Vauclin et du Kersin côte à côte, qui ont été sabordés. Voilà pour un cours historique de cette classe de navire qui a été sans doute parmi les meilleurs contre-torpilleurs de leur époque, considérés comme tels en tout cas par bon nombre d'observateurs, même des observateurs anglais entre autres. On retourne à la bataille, et cette fois sans aucune interruption. Voilà, on est revenu, vous voyez, on était vraiment sur pause. Napoléon s'inquiète de la réaction du CIOP qui est derrière lui. Alors je disais donc, avant d'être sauvagement interrompu et grossièrement interrompu par certains d'entre vous, que nous étions à bord du Vauclin et que quelqu'un déjà commençait à râler en demandant du soutien aérien. Donc, nous sommes avec Napoléon. Alors, on contextualise. C'est pas une bataille de ouf, c'est clair. Vous allez assister à une bataille. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Vauclin dans un type de bataille que l'on rencontre un petit peu trop souvent? Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir de quoi je veux parler. Contextualisation bis pour l'ami Napoléon, qui était, vous avez pu le voir au fil de mes différents playlists que j'ai pu faire, les différentes parties que j'ai pu faire, c'est parmi l'un des tout meilleurs joueurs que je connais de destroyer et de porte-avions. Il a abandonné les porte-avions à cause du Rework, et il a carrément abandonné le jeu d'ailleurs pendant un long, long moment et plusieurs mois. Et le voilà qui revient, et ben, il s'attaque à ce qu'il se connaissait de mieux à l'époque, les destroyers, si vous le dites, c'était un super joueur de porte-avions, mais aussi les destroyers. Et donc c'est en quelque sorte une partie de reprise pour lui. Voilà, là, il tombe sur un Nakatsuki. Oui,
Akatsuki, et là, il va pleurer. L'Akatsuki, je peux vous l'annoncer, il va pleurer. Ça, j'en suis à peu près sûr, même si j'ai pas vu le match avant. Regardez-moi un peu ça. Il a à peine perdu de la vie, de Vauclin. Et l'Akatsuki est déjà quasiment mort. Il a pris très cher. Remarquerait que Polon a navigué de manière à mettre une île entre lui et le reste de la flotte rouge pour pouvoir s'en prendre à l'Akatsuki. Et après, il faut maîtriser le dodge. Comme ici, voilà. Ça, c'est fait. Il n'a pas coulé l'Akatsuki. Donc, il torpille ses smokes. Si l'ami japonais a commis l'erreur d'y rester, ce que je crois pas quand même. Oh, il n'a pas. Mais vous voyez, il restait plus grand chose comme lui. Boum, voilà. Pas mal pour un retour. Hein. Il obtient un premier sang. Voilà. Alors, on fait une troisième conceptualisation. Le Vauclin n'est pas précisément le destroyer qu'il apprécie. Selon ses propres propos, le Vauclin est un navire qui a beaucoup de mal à maîtriser. Oh, processeur pleure un peu, je m'en excuse. Est un navire qui a du mal à maîtriser. Il se trouve que moi, au contraire, c'est un de mes destroyers préférés, donc on a pas mal échangé là-dessus. Après cette bataille, hein, pas maintenant. Hein, donc je ne me permets pas de donner des conseils à Polon. Là, il s'attaque à un Chumou, ce qui est quand même la classe nettement au-dessus. Hein, c'est une tier 9, le Chumou. Et Vauclin est un tier 7. Alors voyons comment. Il s'en prend. Chumou, c'est une sorte de Benson. Hein. Alors après, il y a une chose que Polon sait faire, c'est utiliser ses canons. Il a le moteur cassé, il a réparé, mais regardez le Chumou comme il prend cher. Bon, apparemment, il n'est pas le seul à tirer. Par contre, là, maintenant, il y a un filou qui a réussi à glisser ses canons, un croiseur, qui essaye d'apporter du soutien au Chumou. Bon, c'est pas lui, le Musashi qui a réussi à mettre au canon. Il a utilisé le Musashi pour le tirer sur le Brindisi. Il a préféré essayer de voler un kill, il a réussi, c'est pas très malin. Le Brindisi, c'est un tiers neuf, il aurait mieux fait tirer sur Brindisi. Ah, maintenant on le voit plus, c'est bien, on est bien avancé. Donc, voilà, déjà trois navires perdus chez les rouges. C'est pour ça que je vous disais que c'était symptomatique de ce qu'on croise en ce moment. Alors, en ce moment, pour ceux qui regarderont la vidéo dans une centaine d'années, on est en janvier 2020, depuis une bonne petite année. C'est un petit peu le lot de ce que l'on croise sur les champs de bataille, enfin les vagues de bataille, c'est-à-dire des équipes extrêmement déséquilibrées. Il y a toujours une équipe qui roule sur l'autre. Et voilà quoi, je veux dire. Donc là, vous voyez, moins de... Allez, 5-6 minutes de partie, et déjà 3-0. Alors là, ça y est. Ils ont quand même réussi à couler un cuirassé. Ils ont perdu 3 destroyers sur 4. Ils sont quasiment aveugles, les rouges. Alors voyons ce que le Vauclin, avec sa cloche, peut faire sur un Brindisi. À la paix, s'il vous plaît. Alors, une des façons de jouer, c'est pas le Vauclin qui a fait ça. Une des façons de jouer le Vauclin, Polon est en train de nous en montrer en quelque sorte les prémices, c'est de contourner la flotte ennemie et de tirer dans l'eau. C'est tout simplement terriblement efficace. Généralement, ça génère une espèce de vent de panique chez l'ennemi qui abandonne sa position. Et à ce moment-là, le Vauclin est tranquille. C'est un navire qui n'est pas forcément très furtif, mais qui a la capacité, n'ayant pas de smoke, il faut bien trouver autre chose. Il a donc une capacité, grâce à sa vitesse, de contourner l'ennemi. En plus, il a le rechargement de canon, ce qui est quand même bien efficace. Il a gardé le Brindisi en permaspot, sans tirer. Là, il tire, il est bien naturel. Il se pourrait même qu'il réussisse à voler le kill, ce qui ne fera que... Ouais, voilà, ça rattrape le Dédé, ça rattrape le Chumou que le Musashi avait pris. Enfin, le Musashi a le bon goût de le remercier,
C'est vrai que ce brindisi était un petit poison, même si vous achetez, il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà, la partie est quasiment. Quand on regarde la minimap, ben voilà quoi, les verts sont solidement installés sur les trois caps. Les rouges sont partis, se sont complètement débandés. 696 à 125. Il y a quand même un round qui a sorti l'Akatsuki, mais ça, l'Akatsuki a sorti le round dans le même temps. On est à 700 à 75. Autant dire que le match est plié. D'ici 2-3 minutes, ça devrait être fin de la game. Le Vauclin a fait son boulot. Il n'y a plus rien à dire. Le Musashi, pour l'on va lui passer devant pour faire du spot. C'est vrai qu'en plus, Bismarck, il est sympa, il se pointe, il vient faciliter la tâche de tout le monde. Il ne reste plus que 4-5 navires au rouge. On me dirait que les Verts ont quand même perdu 3, ce que j'ai déjà vu, puis, hein, j'ai déjà vu, et vous certainement aussi. À ce moment de la partie, un 5 à 0, ce sont des choses qui arrivent, hein, assez régulièrement. On a vu que le porte-avions, alors là c'est énorme, le porte-avions il est pratiquement là-bas, il est quelque part là où je montre, à Terrebonne, il semble être là-bas. On l'a pratiquement jamais vu de ce côté-ci de la map. Alors soit il est AFK, mais non, il y en a qui ont réclamé le soutien anti-aérien en début de game. Donc il s'est acharné sur la même aile tout le long. Il faut croire que ça n'a pas été efficace parce que. Cette aile, c'était l'aile de C, du point de cap C, et C a été prise par les Verts. Le soutien aérien n'a servi strictement à rien. Le voilà, le Graf Zeppelin, il n'a pas bougé. Il est au même endroit, un endroit de spawn. Voilà, ah, ça y est. Miracle, le gars a trouvé le moteur. Bah, il a surtout trouvé les clés du démarrage, hein, le moteur. Voilà, fin de la game. Fin de la game, donc, avec une petite bataille à 35 000, 2 kills, mais vous avez vu le Vauclin en action, vous avez vu un Polon qui n'avait pas rejoué depuis de très nombreux mois, 5-6 mois, je crois, reprendre en main un destroyer qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, et en tirer quelque chose, puisqu'il a réussi à sortir d'une game vivant avec un destroyer qu'il n'apprécie pas plus que ça. Donc c'est un joli coup. À noter les 7 bases défendues, 75 coups au but, 2 kills, premier sang. C'est une partie très honnête en Vauclin. Il finit premier en prime. Il a dû être assez content. Presque 2000 points d'XP de base. Il a parcouru 55 km, c'est très peu pour un Vauclin. Vous parcourez, vous savez que des fois, j'ai mis quelques batailles de master, que ce soit en Vauclin, en Mogador, en Fantasque. Les destroyers français, Master Claudie, mais les maîtrise pas trop mal d'ailleurs. C'est lui qui m'a appris pas mal de petites astuces pour mon Vauclin à l'époque. Master faisait facilement des parties où il faisait pas loin de 90-100 km. Dégâts potentiels 400 000, c'est assez peu, mais c'est la moindre des choses et c'est bien de la part de Polon. Bah, 400 000 de dégâts potentiels de sortie vivant, c'est une très bonne chose. 30 000 de dégâts à la HE, il a réussi à faire des dégâts à la paix. A noter qu'il en tirait 15 obus à la paix, et il en a mis 11 au but. C'est un joli ratio, non, vous trouvez pas? Il fait un joli 2 sur 1 aussi à la HE. Moi, je fais pas aussi bien. Hein. Honnêtement, je suis sur un ratio de 1-3, 1 sur 4, hein, en termes d'obus. L'incendie à 708 éteint immédiatement, donc on n'en parlera pas. Il n'est pas premium et son commandant a pris 7 873 points d'XP de commandement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le retour de Polon pour moi, est une très bonne chose pour le jeu. Rencontrer des joueurs comme ça, regarder comme ça, des joueurs jouer comme ça, vous apprendrez toujours. On a toujours quelque chose à retirer de tels joueurs.
Moi, je trouve que le jeu s'enrichit avec des joueurs comme lui. Je suis très content qu'il soit revenu. Et encore une fois, je lui souhaite un bon retour parmi nous. Moi, pour le reste, bien, écoutez, on va se quitter. On se retrouve très, 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 très vite, si vous le voulez bien.